Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Les Aiguilles de Cali. Alors je me retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, les aléas de la vie, les vacances, etc. J'ai pas trop eu le temps de m'y brancher. Du coup, me revoilà. Donc je sais pas si ça sera aussi régulier qu'avant, mais en tout cas, dès que je peux, je viens poster. Enfin, je viens tourner. Je me représente pour celles qui viennent d'arriver. Je suis Kelly, j'habite dans la région bordelaise. Je fais du tricot, je fais de la couture et j'espère que les projets que je vous présente ici vous plairont. Alors on va commencer par déjà le tirage au sort du concours qui a été fait pour les 1000 abonnés il y a quelques mois. Et du coup c'est Christine qui a gagné. Et je vais la contacter sous peu. Et c'est tombé sur quelqu'un qui vient tricoter, quelqu'un que j'apprécie, qui fait partie du tricoté de Bordeaux. Donc je te prépare tout ça et je te l'apporte très vite. J'espère que le petit lot va te plaire. Et voilà. Et je t'embrasse. Ce que je porte aujourd'hui, c'est une chemisette de Atelier Brunette. Et je l'ai rallongée de 35 cm. Alors j'ai beaucoup de projets terminés, étant donné que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Alors je vais aller assez vite, enfin pas trop non plus, mais voilà. Le premier projet terminé, c'est un bébé cigogne que j'ai vu sur les réseaux, notamment sur Instagram. Le patron n'est pas trouvable sur Ravelry. Vous pouvez trouver quand même des projets qui ont été réalisés avec le patron, mais on ne peut pas l'acheter sur Ravelry. Il faut aller directement sur le site. Donc moi, l'ayant trouvé sur Instagram, j'ai réussi après à dériver en allant sur le site. Le patron est un patron français. Enfin, il est traduit en français. Il y a, à la base, je pense qu'il est anglais ou suédois ou quelque chose comme ça, dans les pays de l'Est. Et il est super simple à réaliser. Et ça va assez vite et c'est très bien pour les restes. Notamment, il a été fait avec un reste de coton de mon gilet Falaisia et de mohair de Rico Design. C'est essentiel Super Kid Mohair Silk. Pareil, c'était un reste de mohair. Voilà. Pour les pattes, j'ai fait le Tutuber avec, donc c'est le Vilaine et je crois que c'est un chaudon de cuivre ou du cuivre, enfin il y a un truc comme ça, je remettrai toutes les informations de toute façon comme d'habitude dans la barre d'infos. Et du coup on commence par le haut, on descend. Après on doit faire les ailes, on reprend pour faire le bec, enfin etc. Et les pattes c'est des petits icônes en fait qu'on reprend. C'est de vous montrer en détail. Et celui-là du coup comme c'est un cadeau, c'est pour un bébé, enfin un bébé assez grand quand même. Alors je sais pas s'il va s'amuser avec ou si ça sera juste un objet de déco, mais bon dans le doute. J'ai mis un petit gros lot de sécurité que j'avais trouvé chez Sossengren il y a quelques temps. Je sais plus, du coup le gros lot est enfermé dans une boîte en plastique qui peut pas être ouverte. Au cas où que ça sorte et que le bébé puisse l'ingérer. Donc voilà, j'ai adoré, je pense, le refaire en un peu plus grand. Parce que j'ai pas respecté l'échantillon. Je crois que c'était 20 mailles pour 10 rangs ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et donc le mien fait 20 cm ou 21 au lieu de 27. Donc il est plus petit que prévu, mais après comme c'était un doudou, je voulais pas qu'il soit trop grand pour pas que l'enfant, vu qu'il est encore petit, il pourrait pas le tenir quoi. Enfin voilà, bref. Je trouve qu'il est encore plus mignon en étant petit. Et après on vient broder les yeux de chaque côté. Et voilà. Donc c'est tout pour celui-là. On va le remettre en attendant. On va enchaîner avec le gilet Perline. C'est un gilet que je voulais faire depuis un bout de temps. Quand je l'ai vu, la sortie du patron, j'ai craqué dessus et je me suis dit celui-là, il me le faut, je veux le faire. Et en ayant vu, je crois que c'est Elodie Nail & Co. Elle l'a réalisé pendant le test. Du coup, c'est MCL Knit, donc c'est Marie-Christine Lévesque qui a réalisé le patron. Et elle l'a fait en test et elle l'a fait, mais normalement, il y a des nobs sur tous les bras,
enfin, sur les bras, quoi, sur les manches. Et elle, elle a fait sans les nopes. Et quand j'ai vu le patron réaliser final, je me suis dit, ah non, les nopes pour moi, ça fait trop. Ça peut être joli dans un pull. Mais étant donné que celui-là a déjà de la dentelle sur tout le bas du corps, qui est aussi derrière, je trouvais que ça surchargeait le gilet. Et c'est pas quelque chose que j'appréciais. Donc j'ai repris l'idée de Elodie de ne pas de mettre les manches, enfin les nopes sur les manches. Et du coup franchement je regrette pas, il est super joli comme comme gilet. Et et puis il se fait assez facilement, je l'ai fait pendant les vacances, ça a été mon projet. J'aime bien faire ça quand je pars en vacances, partir avec un projet et essayer de le finir au maximum, et je le termine après en arrivant ici. Et c'est comme ça reste un souvenir de vacances, on s'accroche au projet. Enfin, je sais que celui-là a été fait au Portugal pendant mes vacances. Et pour la laine, du coup, j'en avais parlé au tricoté à Biscarrosse avec Madeleine et Philibert, donc Catherine. Et je voulais une couleur assez claire, je voulais quelque chose de neutre, mais pas blanc. Je voulais pas la laine d'origine, je trouve que les laines. Neutre, enfin non, les laines de base, elles ont un petit côté jaune et c'est ce que je voulais pas. Elle a un petit coloris qui reste clair, nude, mais un peu crème. Un peu dans le gris, je saurais même pas décrire. En tout cas, j'adore le coloris et en discutant avec elle, elle me dit, ben voilà, j'ai le coloris liège, peut-être que ça t'intéresserait. Je dis oui, exactement, c'est ce que je veux, c'est ce que je cherche. J'aime vraiment le coloris et du coup, je l'avais mis de côté. J'avais pris les laines, je ne sais même plus quand. Et j'ai pas pu le tricoter tout de suite parce que j'avais plein de choses sur les aiguilles. Et là, c'était l'occasion, c'était le moment. J'ai adoré tricoter la laine, je la trouve très très douce. Là, il a été lavé et bloqué, donc la dentelle est bien détendue, il est très souple, il est très très bien, je l'adore. J'ai hâte de le porter, donc là pour l'instant les températures c'est encore un peu chaud, il doit faire entre 25 et 28 ou voire plus en fonction des jours dans la région bordelaise. Et voilà, donc c'est la Big Sock et la Mohair et Soie, voilà, de Madeleine en coloris. Enfin, Madeleine et Philibert, et un coloris liège. Et j'aime beaucoup le raglan. Il a une forme. Je trouve que. Je sais pas, je crois que c'est la première fois que je fais un raglan avec une genre de petite bande. J'ai vu que Petite Knit a fait un pull récemment avec le même. Pourtant, je trouve pas que quand je l'ai tricoté, c'était des augmentations différentes de d'habitude. Mais là, je trouve que ça fait une petite bande et j'aime beaucoup. Et du coup, on commence par en haut, on va descendre jusqu'en bas. Donc la dentelle est au dernier moment. Donc au moment où c'est censé être que du jersey, plan-plan, où on en a marre. Et bien là, nous, on a la dentelle. Et elle se fait assez bien. Le diagramme est quand même assez grand, mais on arrive facilement à le suivre. Et on finit par des côtes 1-1. Le truc que je déteste. Mais alors. Je crois que c'est un truc qui. Bon, après, une fois que c'est lancé, hein, mais sur le coup, j'aime vraiment pas. C'est devoir reprendre les mailles. Je sais jamais si je dois prendre. J'ai assez de mailles. Alors là, c'était écrit quand même combien il fallait qu'on les reprenne. Mais même, j'aime pas ça en fait. J'aime pas reprendre les mailles. Mais bon, une fois que c'est fait, le rendu, c'est vrai qu'il est quand même sympa. J'aime beaucoup la finition. Donc, on doit reprendre toute la patte de boutonnage. Et on reprend. Ah oui, et on doit reprendre aussi au niveau du col, parce que le col, il n'est pas fait, c'est après. Et on le fait, on tricote, je sais plus, je vous dis une bêtise, jusqu'à 10 cm, et on replie. Et là, normalement, on est censé rabattre et faire une couture. Et moi, enfin, bon, en tout cas, moi, j'ai rabattu et j'ai cousu en même temps avec la méthode de Lisandre Bourdin. Il y a une vidéo sur sa chaîne qui est vraiment sympa. Et je trouve que c'est un gain de temps. Et du coup, j'aime bien la finition. Le col est tout petit, tout fin, et voilà. Et en ce qui concerne les boutons, c'est des boutons de chez n'importe quoi. Chez Mondial Tissu. Et j'avais les mêmes en plus petit que j'avais acheté il y a quelques temps pour un chemisier. Je comptais les mettre, sauf qu'il faut 10 boutons. Après, ça dépend en fonction des tailles, mais moi, en tout cas, pour ma taille, il fallait 10 boutons. Et ils étaient beaucoup plus petits, hein, parce que je pense qu'ils doivent faire 10 mm. Et en allant au magasin, j'ai trouvé ceux-là qui étaient plus gros et au final peut-être plus abordables.
enfin plus approprié pour l'ampleur du gilet. Et du coup, ben voilà, je les ai achetés là-bas. Ils sont vraiment sympas. Je vais peut-être faire un zoom pour essayer de vous les montrer un peu plus près. Donc, oui, et étant donné que j'ai pas fait les nopes, il me reste quand même pas mal de laine. Donc, déjà, j'avais triché parce que je savais que, étant donné que je ferais pas de nopes sur les bras, étant donné qu'il y en avait vraiment, je mettrai une photo pour vous montrer le gilet de base. Et étant donné que je faisais pas une nope sur les deux manches, je me suis dit je consommerai moins de laine. Donc, j'avais pris la taille XL. Je sais plus les dimensions exactes, mais bon, ben, en gros, ils annonçaient plus de laine que moi j'en avais. Et je me suis dit, dans tous les cas, j'en mangerai moins. Et au final, il me reste quand même énormément de laine. Donc, sur 3 échevaux. Donc, bah, écoutez, donc celui-là, il me reste ça en mohair et ça en mérino. Donc, je crois que ça, si j'en ai pour 53 grammes, quelque chose comme ça, et celui-là, 25. Ou je dis peut-être une bêtise. Donc bon bah c'est dommage parce que j'aime bien avoir arrivé jusqu'à la fin et de ne pas avoir pris. Mais après, avec 2 échevaux, j'aurais pas pu tenir parce qu'il m'aurait fallu 2,5. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Je sais que j'aimerais bien faire Bunny Odile. J'aime bien les animaux de From Cynthia. Mais bon, c'est de la belle laine. Donc je sais pas, est-ce que je la fais avec ça? Ou est-ce que je fais un bonnet en oslohate? Ou enfin je sais pas, il me reste encore de la laine, mais bah, je peux la garder pour les chaussettes aussi, mais bon c'est pareil, ça me fait de la peine, je le trouve très joli pour autre chose, pour un accessoire. Donc je sais pas, je sais pas encore dans quoi, enfin je les garde précieusement, je pense que je vais les rembobiner parce qu'à force elles se défont un peu de partout, mais je sais pas encore, je verrai. Donc changer, hop, je vais essayer de remettre celui-là. Voilà. Alors ensuite, le fameux Cumulus Blues que je me traîne depuis, je ne sais même pas depuis quand, parce que c'est pas noté par là. Ça fait un petit moment. Ça me dit pas être, non. Oh, ça vient depuis au moins le 5e podcast. Donc, je sais. Ouais, ça fait un bon moment. Bref, c'est devenu un projet un peu boulet que j'arrivais pas à finir. Je sais pas, la laine, le projet, je l'ai déjà fait. Donc, bon, bah, je me suis dit, je sais pas. J'avais plus envie. Après, quand je me suis motivée pour refaire les manches et finir le corps, finalement, eh ben, il me manquait de la laine. Mais vraiment pas grand-chose. Parce que je sais pas si vous allez arriver à voir. Ouais, il y a une légère démarcation. Il manquait ça et pour faire la corde de l'encolure. Donc en soi, vraiment, je sais pas, même pas 15 grammes, quelque chose comme ça. Et ça me suait de recommander juste pour ça. Donc je me suis dit bon. Et en parlant avec Cindy, elle me dit, mais si tu veux, moi j'ai un reste de laine de justement de ce coloris-là, je m'en servirai pas. Je dis, ah, génial, ça m'arrange bien, j'ai pas envie de recommander pour 10 grammes, je sais pas quoi faire du reste, etc. Et puis les frais de port et tout ça pour juste un peu, ça, enfin, voilà. Donc ça a tombé très bien. Et en fait, elle a fait un pull, je crois, pour sa fille il y a quelques années. Et malgré que ce soit des laines industrielles, et bien en final, le coloris n'est pas du tout le même. Le mien tire dans le beige un peu presque chiné. Et le sien est vraiment beaucoup plus clair. Mais alors, est-ce que dans l'autre sens? Ouais, voilà. Là, je force pour qu'on puisse voir un peu plus la démarcation. J'ai envie de vous dire, il restera comme ça. C'est pas grave. On le voit un petit peu. On s'accrochera pas à ce détail-là. J'ai pas envie de redéfaire pour. Enfin, de toute façon, voilà. Ça restera comme ça. L'encolure, pareil, un demi-ton plus clair, mais c'est pareil. Enfin. Il faut le voir quoi, enfin, en fonction de comment. Ouais, voilà, là on peut peut-être plus le voir la démarcation. Mais c'est pas grave, ça restera comme ça, c'est moi qui vais le porter. C'est du coup la R de chez Drops. Donc je sais pas le rendu qu'il va avoir à force des lavages. Je la trouve toujours aussi douce. Ouais, ça va. Je trouve qu'elle est encore plus douce quand même quand je la tricotais.
Et je l'avais fait du coup avec Laetitia, au fil des pages Laetitia et Cindy. Et Laetitia l'a fini et Cindy, je ne sais pas. Je crois qu'il est toujours dans un coin. Qu'elle a pas... Il me semble pas qu'elle l'ait terminé. Enfin voilà, on va passer au prochain en cours. Holden Top Light de Witry Design, je sais pas. Il est pas lavé ni bloqué. Il a été pareil, c'était un cours que j'avais depuis un petit bout de temps que j'ai laissé traîner. Donc c'est un petit top d'été. C'est un petit débardeur tout simple. Donc il est fait avec de la mérino tencel de la Madeleine. J'avais jamais tricoté du tencel. J'étais assez sceptique. Je trouvais que ça brillait beaucoup. Donc et pour l'instant, c'est vrai qu'il brille pas tant que ça. Au final, je trouve que c'est pas. J'avais l'impression que quand je voyais les petits tops ou quoi que ce soit, pour moi, ça faisait presque pas plastique, mais ça faisait vraiment une brillance. Et une fois tricoté, en fait, ça va. À tricoter, ça va, c'est agréable, ça glisse bien, il n'y a pas de souci. Et après, au porté, je peux pas le dire parce que je ne l'ai pas encore porté. Donc, là, l'été est fini. Donc, au petit moment où il fera un peu plus frais ou quoi que ce soit, je pense que. Non, pas plus frais. Au moment où il fera un petit peu chaud, là, dans la région bordelaise, en ce moment, on a quand même encore des 28. Donc, je pense qu'il y a peut-être des jours où je pourrai encore le porter. Donc, je vais vous rapprocher pour voir le rendu. Là, il brille peut-être un peu plus qu'en vrai. Et du coup, le coloris, c'est poussin. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y aurait sur son site. Il faudrait que j'aille voir. Prochain projet, c'est un accessoire. C'est la Oneille Purse, je sais pas comment on le dit, toujours pareil, moi et l'anglais, de Petite Knit. C'est dans le même maille que la bourse Honey Bucket. Et c'est tout petit. Du coup, dans le patron, tout est expliqué. Une petite fermeture et il y a la doublure. Donc, tout est expliqué aussi pour la doublure. Donc, tout est bien cousu. On ne voit plus rien. C'est fait avec un point invisible. Et je m'en sers comme petit porte-monnaie. Je trouve que c'est super sympa. La taille est sympa. C'est des restes de laine, par contre. Donc, je ne me rappelle plus. C'est Françoise qui m'a donné un tas de petites pelotes, justement, pour que je puisse faire des petites pochettes, c'est très bien pour les restes parce qu'il existe en trois tailles et les trois tailles rentrent dans des restes de laine. Donc là, c'est un fil de mérino et un fil de mohair. Et en général, on a toujours des petites chutes où on sait pas quoi faire, enfin, pas des chutes, mais des restes de laine. Et je trouve ça pratique. Et c'est alors en soi, ça va assez vite et c'est simple à faire, mais c'est toujours l'histoire du point. Alors dans l'autre, j'avais fait en rond et celui-là on doit le faire en aller-retour et pour ce peu qu'on se trompe d'un rang ou quelque chose comme ça, je trouve qu'il faut être beaucoup plus concentré pour faire celui-là que faire le bucket. Et du coup j'ai commencé, enfin j'ai terminé mais pas totalement la plus grande. Donc par contre là je l'ai fait en déca et avec un seul fil. Et celui-là c'est la plus petite, donc à comparer. Voilà la taille des dimensions et il y en a une moyenne entre deux. Et là du coup j'ai déjà trouvé le zip qui va, je trouve, assez bien au niveau de la couleur. J'ai eu du mal à en trouver un qui allait super bien. Pareil, c'est Françoise qui dans le lot qu'elle m'a donné, qui m'a donné cette laine. Donc je ne saurais pas dire qui c'est. Parce que je n'avais pas forcément toutes les étiquettes. Si tu passes par là, Françoise, déjà je te fais un gros coucou et je t'embrasse. Et je te remercie pour ces petites chutes enfin ces petites restes de laine. Et si tu te souviens de à quoi elles correspondent, tu peux me le dire dans les commentaires. Donc voilà pour celui-là. On va passer par le dernier projet terminé. Et sans équivoque, il me fallait une paire de chaussettes pour les vacances que je puisse emporter et déplacer, contrairement à mon gilet qui était trop encombrant. Donc il restait plus facilement à la maison et je le tricotais qu'à la maison. Et du coup, j'avais une laine qui me tenait à cœur, c'est Marjorie, que pareil, j'embrasse énormément.
qui m'a offert cet écheveau de laine pour mon anniversaire en mai dernier. Et je rêvais de samedi paillettes vertes. Donc là, sans paillettes. Et c'est toujours bah, du coup le modèle samedi paillettes. J'ai même pas pris mon bloqueur, mais bah, c'est pas grave. Je la mettrai. On va le faire comme. Donc la laine, c'est. J'ai tout noté. Cooper Knit Sock Yarn. C'est une laine qui me tentait, que j'ai vu passer, mais j'ai jamais eu l'occasion d'acheter parce que. À moins de la commander sur internet, là dans les alentours, je la trouve pas. Donc, elle est super agréable à tricoter. Elle est toute douce. Elle est. Je sais même pas vous dire. Elle est vraiment molle. Vraiment, j'attends juste déjà de la bloquer. J'ai pas eu le temps de la laver pour voir si elle se détend pas trop. Mais en tout cas, elle est vraiment très douce et hyper agréable à tricoter. Et même au toucher une fois finie, hein. Donc j'ai fait une chaussette pendant les vacances et là depuis que je suis revenue, c'est les chaussettes du coup du bus. Étant donné que j'ai facile 2 heures de bus par jour avec le travail et que c'est un patron que je connais assez bien, la dentelle se retient très vite, j'ai besoin de rien, je la tricote toute seule sans avoir de patron. Et on va enchaîner du coup sur les encours, étant donné que c'est aussi du coup un encours, étant donné que j'en ai fait qu'une. Donc j'ai un beau petit début. Voilà, avec la dentelle, je mets des marqueurs entre pour pouvoir bien retrouver, je trouve, le diagramme qui est superposé plusieurs fois. Et donc le reste de ma laine, ça prend vraiment pas de place, c'est tout léger. Et on peut le transporter assez facilement partout. Je la range dans une petite pochette qui venait de la box de la Madeleine. C'est la box Summer. Et voilà. On va continuer avec un deuxième encours qui est pour l'instant petit et léger, mais qui encombre quand même. Alors, je retrouve l'endroit de l'envers. Tous les fils qui se sont mêlés. Voilà. J'ai commencé le gilet coquille avec Cindy. Et c'est un gilet qui me faisait de l'œil depuis un moment. Je devais le faire l'année dernière. J'avais déjà acheté la laine. Je l'ai acheté d'ailleurs à la lainerie à Bordeaux. Et j'ai pas pris le temps de le faire, je me suis dit oulala, là là, ça a l'air compliqué, alors que j'ai fait des trucs bien plus compliqués que ça. Mais bon, j'ai préféré attendre et là l'occasion s'est prêtée, j'avais plus de gros projets sous les aiguilles et du coup j'ai lancé celui-là. Donc le dos, on fait 3 rangées de coquillages. J'essaie de vous montrer le motif. Là je suis sur la partie du devant de droite. Donc j'ai fait déjà la première rangée de coquillages et je dois enchaîner. Et après je reprendrai le deuxième épaule pour refaire le côté gauche et après ainsi de suite. Donc voilà, celui-là il n'a pas beaucoup avancé. Enfin si, techniquement un petit peu quand même. Mais voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai. Donc il était dans le livre du Knit It, je crois que c'est il y a 2 ans. Parce que c'est pas le dernier, c'est celui d'avant. Et après il y a eu le Covid, donc c'est le Knit It avant le Covid. On peut le retrouver sur Ravelry, pareil, je mets tous les liens en bas. C'est le gilet coquille et c'est. Oh mince, j'ai mangé le nom de la créatrice. Bah, je le rajouterai aussi, du coup. En ce qui concerne la laine utilisée pour ce gilet, c'est la Ito Sensei, 60% mohair, 40% soie. C'est 20 grammes, 240 mètres. Il est vraiment très très doux. Et le fil que j'utilise avec. Parce que normalement il est fait avec. Un ou deux fils. Un fil, il me semble. De. Oh, bébé Suri. Et du coup, bah, moi à l'époque, la Suri pour moi n'était pas forcément accessible. Parce que j'achetais pas chez les teinturières. Et avec du coup, c'est la crème que Soul Baby Alpaga et c'est l'épaisseur lace.
Et c'est du 100% alpaga. Donc pareil, très doux, très souple, très bien. Donc voilà. Je vous en dirai des nouvelles après, une fois que j'aurai fini de tricoter. Après, en encours, mais qui reste endormi, c'est le châle satellite que j'avais commencé pareil avec une copine. Et au final, pour l'instant, comme je l'ai arrêté depuis un bout de temps, je ne sais plus exactement où je me suis arrêtée. Comme il y a de la brioche dedans, il faudrait que je recompte toutes les mailles pour pouvoir savoir où j'en suis et reprendre le patron. Et vu que c'est un châle, l'été, ça ne me disait rien de le reprendre, même si c'est des couleurs un peu peps, enfin, des couleurs qui sont assez. Mais non, ça ne me disait rien. Donc je pense venir manger les coquilles et tranquillement. Et après, je reprendrai le châle un peu plus tard. Donc pour le tricot, ça en est tout. Je pense que c'est déjà bien. Et on va enchaîner du coup avec la couture. Je vais commencer du coup avec la chemisette d'atelier brunette. Je vais la mettre sur ça, ça sera peut-être plus simple. Donc ça, c'est la première chemisette que j'ai faite d'atelier brunette. C'est une taille 46, mais elle est vraiment très très large, elle se porte large, mais j'aurais pu faire facilement une ou deux tailles en dessous. Il y a d'ailleurs des boutons, dont un qui s'est fait la malle, voilà, sur les manches, ainsi que sur le devant. Et on prend l'arrière et le devant burrito, et c'est pour ça qu'on voit ces doublés dedans, juste sur la partie du haut. Et voilà. Alors ça, c'était un kit que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est un coffret qui avait été fait par Atelier Brunette sur leur site en limité. Je crois que c'était 120 box par coloris. Parce que là, j'ai pris du coup la plus claire. Donc les cœurs sont rose, rouge et jaune et camel. Et l'autre, c'était noir, rouge. Je sais plus les autres couleurs, mais en tout cas, c'était un peu plus foncé. C'était le thème le plus foncé. Et du coup, dedans, il y avait 2 mètres de tissu, les boutons qui allaient adapter avec. On pouvait choisir le coloris des boutons. Moi, j'ai pris terracotta. Il y avait quoi avec le patron en format papier. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un autre truc. Je sais plus. Peut-être si ça me redit, je le. Mais bon, après, elle n'existe plus. La box était ordonnée que c'était une box limitée. J'ai vu qu'en ce moment, il faisait un pyjama sous forme de box. Donc, bon, bah, je n'ai pas craqué dessus, je suis mitigée. Et là, plus tard, ils ont fait un post sur leur Instagram avec la même chemisette. Par contre, je crois que c'était de la viscose qu'ils ont utilisée. Et ils l'ont rallongée. Et ça faisait sous forme de robe. Et je trouvais que c'était très sympa. Je vais mettre la photo d'ailleurs pour vous montrer le rendu qu'elle avait. Et j'ai comme du coup j'ai craqué dessus, d'où celle-ci. Et j'aimais bien le rendu et il y avait marqué comme quoi il aura. Il y a quelques mois de ça, il y a quelques temps de ça, Atelier Brunette a posté sur leur Instagram la chemisette, mais en la rallongeant sous forme de robe. En fait, ils ont juste pris la chemisette et ils l'ont rallongée de 35 cm. Et j'ai eu l'idée de faire la même chose en double gaze. Eux l'ont faite en viscose, il me semble. Et du coup, bah, j'ai pris le même principe, étant donné que la première était de la double gaze, mais lisse. Et ça, c'est de la double gaze qui fait un peu gaufré. Et donc j'ai pris les mêmes mesures, j'ai rallongé de 35 cm, sauf que eux l'ont coupé droit et moi j'ai voulu garder l'arrondi qui est en bas de la chemise. Et je la trouve un peu longue comme je disais tout à l'heure. Et je pense la reprendre pour la raccourcir de 5 à 10 cm, pas plus, pour qu'elle m'arrive pile au niveau du genou, parce que là elle me descend légèrement en dessous du genou et je trouve que c'est une coupe entre deux que j'aime pas trop. Donc voilà pour cette chemisette. J'ai aussi cousu le sac Georgette Mini pour ma filleule justement que je devais faire depuis un bout de temps avec un tissu Harry Potter que j'ai trouvé au comptoir du tissu. Et le bas, bah, c'était des chutes de tissu que j'avais trouvé pareil pour 2 € ou un truc comme ça. C'était des petits morceaux de tissu
pas très grand et ils étaient assez rigides, donc je trouve qu'ils tenaient bien le sac. Je l'ai pas entoilé et je l'ai doublé normalement, comme c'est prévu dans le patron. Et je l'ai floqué avec la Cricut, avec son prénom. C'est pour aller à la gym, donc il fallait un petit sac de sport, mais pas trop gros parce qu'elle a pas tant de choses à mettre que ça. En général, c'est juste ses rechanges et une gourde, etc. Donc je vais la mettre en photo pour que vous puissiez voir le résultat, parce que bien sûr, la gym a repris, elle est déjà partie avec, et comme c'était pour son anniversaire, elle en profite. Après, j'ai pu faire une deuxième magnolia pour un mariage. Je cherchais sur le thème du mariage était sur le ton clair pastel, donc j'ai pris un tissu gris qui tire un peu dans le vert eau. Non, le vert eau c'est un peu plus foncé, mais c'est vraiment un vert très très clair, pareil dans les pastels. Et j'étais très surprise parce qu'au moment de le découper, on voyait à travers, c'était transparent. On voyait mon patron en dessous, j'ai eu un petit coup de panique et en fait, une fois portée, elle n'était pas du tout transparente, donc j'ai pas eu à la doubler. Je vais vous mettre pareil une photo parce que là, j'arrive pas à mettre la main dessus. Et du coup, vous allez pouvoir voir le rendu de la robe portée. Toujours aussi agréable à coudre, toujours aussi agréable à porter. Elle a fait son effet pour le mariage, donc j'étais plutôt contente. D'ailleurs, j'ai une autre cérémonie là il n'y a pas longtemps, donc je pense la ressortir de nouveau. Parce que je trouve qu'elle fait un peu trop habillée pour sortir comme ça tous les jours. Donc j'ai pris du viscose, une viscose neutre, uni, pour pouvoir la faire. Et voilà. Là, mon dernier projet, c'est un pantalon. C'est le pantalon Alexia de Atelier des Premières. Alors je sais pas si j'aime bien, je sais pas si je suis encore mitigée, je le porte quand même. Parce que je pense que c'est le tissu qui est un peu trop raide et que du coup il se tient. Il a des poches à l'italienne. On a un élastique qui passe entre deux tissus et ça fait comme une coulisse en fait, parce qu'on refait une couture. J'ai mis une étiquette. C'est un ruban en fait quand j'ai fait passer commande chez Atelier Brunette. Et c'est un grand ruban avec écrit plusieurs phrases, enfin toujours la même phrase d'ailleurs. Et on peut le recycler en faisant des petites étiquettes. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc voilà, donc il est bien, mais je l'aurais voulu un peu plus ajusté. Donc pareil, je sais pas si je vais le reprendre ou pas. Donc je mettrai aussi pareil une photo portée. Pour que vous voyez le rendu. Donc le tissu vient du comptoir du tissu, pareil, c'est une boutique qu'on a pas très loin de la maison et donc je trouve c'est là où je trouve quand même des petites pépites. Et le dernier projet, c'est ma fameuse trousse en cours qui est Big Mouth. Je la trouve géniale. Pour mettre les gilets, elle a la taille parfaite. J'ai rajouté une petite étiquette qui n'était pas prévue. Pareil, c'est un petit ruban qui entoure un colis. Et je le trouve sympa, il y a des petites paillettes dedans. C'est donc la pochette de Lise Taylor. Et le tissu, c'est un Lise Taylor aussi. J'ai acheté un premier kit avec la grande pochette pendant les soldes. Et j'ai pas encore osé faire la pochette du kit, mais par contre j'ai récupéré on va dire le patron de dedans et j'ai fait un crash test avec celle-là parce que ce tissu me faisait de l'œil depuis un bout de temps et je l'aime beaucoup. Je l'ai entièrement matelassé avec du fil doré, c'est le Mettler et au final j'arrêtais pas d'avoir des soucis, le fil arrêtait pas de casser. Je sais pas si on arrive à avoir le matelassage en fait. Bon, vous me ferez confiance si vous n'arrivez pas à le voir. Il est bien matelassé des deux côtés. Il y a une couche d'épaisseur. Enfin, c'est pas de la ouatine, c'est. Franchement, on dirait comme les draps en flanelle. Ça fait vraiment une épaisseur comme ça. Et après, elle est doublée pareil avec un tissu à l'intérieur. Le zip venait d'un lot que j'avais racheté. Ouais, je pense que c'est un lot que j'ai racheté ou c'est quelqu'un qui m'a donné je sais plus, bon, c'est une pochette. Enfin, c'est un zip. Et la doublure est terracotta. Elle est, comme je vous dis, assez grande. Là, en ce moment, j'ai mangé des coquilles avec tous les écheveaux qu'il me faut à l'intérieur.
Donc voilà. Elle est assez bien, elle tient tout seul et puis elle est jolie surtout. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et j'espère vous retrouver assez vite. Enfin, pas trop, faut quand même laisser le temps de tricoter un petit peu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez ce podcast et je vous dis à très vite.